Shalom, shalom, bien-aimés, merci à vous pour cette nouvelle vidéo. En tout cas, vous êtes nombreux à suivre les précédentes vidéos. Alors aujourd'hui, nous allons faire une prière donc, qui est très puissante. Elle s'intitule « Seigneur, allume le feu ». Prière puissante pour récupérer tout ce qui est bloqué, volé, attaché par vos ennemis. Seigneur, allume le feu. Illumine ma vie afin de sortir de l'obscurité. Retire le voile des ténèbres devant moi et que ton feu ravage, détruise tout ordre qui dit que tant moi, si vous citez votre nom, je vivrai, je serai pauvre. En arrière, je serai limité. Seigneur, que ton feu aille dans l'eau. Rappelle à moi, vous citez votre nom, toutes mes bénédictions enfouies dans les eaux. Que Dieu aille sous terre et ramène à moi, vous citez votre nom, toutes mes bénédictions, que tout arbre qui retient toutes mes bénédictions, je te donne l'ordre de relâcher immédiatement toutes mes bénédictions. Et tous les précédents ordres sont annulés à jamais, car j'ai pris autorité maintenant avec le nom de Jésus-Christ et le sang de l'agneau. Toutes les ordonnances passées sont annulées, et vous répéterez annulées 7 fois. Feu du Saint-Esprit, vachez. Vous citez le nom de vos ennemis, si c'est un ennemi, vous citez son nom, si c'est vos ennemis, vous citez plusieurs noms. Et va récupérer toutes mes bénédictions, il ne laisse rien. S'il fait résistance, mets le feu, allume la fournaise. Mais même le diable ne peut supporter la température auquel Jésus, avec sa main puissante, dépose sur le ventre de mes ennemis, sur leur tête, leurs pieds et sur toutes les parties de leur corps. Et maintenant, vous citez le nom de vos ennemis, vous relâchez toutes mes bénédictions, car le feu brûle, brûle, brûle 7 fois chaque ennemi de ma vie. Bénédiction fermée chez donc, le nom de vos ennemis, de votre ennemi, je mets le feu dans la chambre. Et toutes les pièces où tu es enfermé, dans la bouteille, dans le bocal, la marmite, et je relâche, et je vous rappelle à moi immédiatement. Je le prophétise, je le déclare et que cela s'exécute. Toutes mes richesses, mes finances, destinées, mariage, mes enfants sont relâchés. Amen. Voilà, bien-aimés, pour cette nouvelle prière. Soyez nombreux et abonnez-vous. Restez dans la sanctification et la protection du sang de Jésus. À bientôt pour de nouvelles vidéos.